décédé. Oui, le vendredi, ce sera maintenant toujours comme ça à 13h. Le samedi, on ne bouge pas, par exemple. Aujourd'hui, je me suis rendu chez Mado Lamotte, cette grande bingoeuse québécoise. Ensuite, dans les flashs, il y a Big Sugar, Gegeta, Nirvana et Françoise Hardy, également l'album de Weezer. Et pour commencer, le nouvel album de Moist, le disque Creature, c'est leur deuxième album. Sûrement une situation énervante un peu pour Moist parce que c'est leur deuxième album, puis le premier Silver, mettons qu'ils en ont vendu comme quelques-uns. Et cette fois-là, quand même, ils ont pris un peu plus leur temps pour faire l'album. Ils ont fait aussi plus attention. Ça a été réalisé par Paul Northfield, qui a fait le dernier disque d'Éric Lapointe, qui était excellent, le disque de High Mother Earth, donc un bon réalisateur. Et aussi, avant d'entrer en studio, ils ont pris le temps de tester quelques chansons sur scène et on en retrouve quelques-unes de ces tunes-là. Mais la majorité des tunes qu'on retrouve sur Creature ont été écrites quand même à Montréal, parce que le groupe reste maintenant à Montréal. Et ils auraient pu, hein, si ça n'avait pas eu de talent, faire une copie de leur premier album, mais ce n'est pas le cas du tout. Ne cherchez pas aussi de hits comme la chanson Push, et c'est aussi un disque qu'il faut écouter quelques fois avant de vraiment triper. Et c'est vraiment pas un album de rock commercial. Il n'y a pas une si grande différence que sur l'album Silver. C'est le même style, c'est le style de Moist. Mais plutôt, ils ont réussi à faire là-dessus ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire probablement sur leur premier album. Et il y a de très, très bonnes chansons, entre autres Tangerine avec Claude Lamotte au violon, qui est québécois, Claude Lamotte. Également Disco Days, qui n'a rien de très, très disco parce que c'est fait au piano acoustique. Elle est vraiment très bonne. Theme from Cola, que j'ai beaucoup aimé. Également la chanson-titre Creature avec une trompette un peu mexicaine. Comme deuxième album, fort réussi, je vous le conseille. Si vous aimez